Bonjour mes confrères, c'est Zef et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XII. Bon visionnage! Ok. Donc je suppose que maintenant il faut que j'aille là où ça fume. Donc c'est tout droit. Ah ouais, bon, on va passer aux gorges. Ensuite, on va voir. C'est peut-être le petit village là où j'allais me ravitailler pendant l'entraînement. Je sais pas. Alors, c'était tout droit quand j'étais là. Ouais, bah ouais, c'est au sanctuaire. C'est au sanctuaire. Ça c'est un deux mains. Et ça c'est... Ah non, ça c'est une main, je suis con, putain. Ah oui, bah non, parce qu'il faut... Il faut que le tank puisse parer, quoi. Enfin, moi je dis toujours que c'est un tank parce que j'utilise comme ça. Enfin, je veux... Que ce soit son utilité, après c'est mon... C'est lui qui fait le plus de DPS aussi. À quand même se battre sur tout ce qui nous arrive sur le chemin. Hein. Sur soi... En fait j'ai besoin d'un max de PP. Et à partir de là, il faut faire des combats. Oula. Par contre, les trucs qui volent à son chien. Ah, c'est terrible, je le touche presque pas. C'est ça que je les aime pas. Pseudo Garuda. Voilà. 2 PP, hein, c'est énorme. On va en profiter d'avoir un cristal ici pour se soigner. Il va falloir que je fasse gaffe. Lui, il a eu tendance à me défoncer à chaque fois. Je pense que c'est encore le cas. Allez, on est presque arrivé.
1. Voilà. D'accord, donc c'est bien ici le problème. Ah, bravo, GG à toi. Oh. Efficacité du sort du personnage quand ses PV sont au maximum. Mais ça, c'est nul. On va faire une petite sauvegarde quand même là cette fois. Là, je vais aller voir sur l'autre marchand. Ah putain ouais. Oh là 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 là. Ah là on a vraiment de nouveau. J'ai que 52 000, c'est terrible. Et là on a quand même plein de trucs que, bah, que j'ai pas du tout. Et là, plus 11, plus 4. Bouclier de platine, mais ça, j'en ai pas. C'est de diamants que j'ai, c'est vrai. Il y a vraiment pas mal de trucs que je pourrais acheter ici. Hein. Il y a des trucs que je peux vendre. Ah, il y a plein de trucs que je pourrais vendre en fait que j'utilise pas. Mais les seuls trucs que je vends au final, c'est ce que je reçois. L'attrait ancien connu pour les destins tragiques. Hein. Ça, là, tu vends en fait les blocs de pierre. Voilà. À chair purulente. Ah, ça c'est bon ça. Bumbo. Cuir tanné. Fruits succulents, ça c'est hein, bien. Ok, laine. Magilite, ça je veux pas les vendre. Grande plume. Bah non. Corne. Ah, des os, on en a trouvé beaucoup évidemment. Bien, ça c'est cool. Et cristal, ouais, les cristaux, je vais pas les vendre non plus. Pierre, ok. Affaire, éclat magique, c'est quoi? Ok. Ah, c'est pas. C'est ok. Mais tu vois, par exemple, ça, je pourrais. Les gars, ah, prix. Ah oui, non, c'est à acheter. Je sais pas. Pas des trucs que moi j'ai, mais. Oh. Marteau et hache. Plus 13, c'est une main. Lui, il aurait plus 30. En fait, il faut que je regarde. Qu'est-ce que je peux acheter et tout. Ça va être, ça va être compliqué. Ça va me prendre beaucoup de temps. On va pas le faire maintenant. C'est vrai de juste se prétendre gardien de la justice, mais n'hésite pas à lever en main contre les feuilles. Il y a encore des appareils dans le tournage, je vous conseille d'y aller. Bon, on va y aller alors. Je ne trouve pas mes parents et mes frères, j'espère qu'ils n'ont rien. Maman voulait empêcher les soldats de passer, alors un monsieur effrayant l'a frappé. Et il si mal, il peut plus se lever au moins. D'accord. Okay. Nos tentes, ils ont brûlé nos tentes.
Mais si vous auriez eu des maisons, ils auraient brûlé les maisons. Les gens du sanctuaire ont essayé d'arrêter les soldats, mais... putain. Ah, on a un cas s'il y a des coffres, on sait jamais. Attends, mais j'ai quand même lui parler à lui. T'as quelque chose à me dire? J'ai un père sont venus accompagnés de soldats, ils ont abattu tous ceux qui ont tenté de les arrêter. Oh putain. Carrément. J'ai pas vu une lueur ici. Si là. Ah si, ça brille juste de temps en temps. Je vais protéger, après, fuyez par terre. Non, non, mais non, nous on va aller les baiser, attends. J'ai discuté avec les soldats arcadiens, mais l'un des juges a tiré son épée et m'a tranché le flanc. Comment aussi commettre un arc aussi inhumain dans ce lieu sacré à Arcadia défierait-il même le dieu? Surtout n'approchez pas du temple, les juges sont encore à l'intérieur et grâce à... Tu fous ici, toi? D'accord, ok. Donc, toi, t'es là juste pour donner des jugements. Allez. Ah, ils ont foutu la merde partout. Ah. Ah, our vagrant princess. Swift as your lust for revenge led you to the Sword of Kings. You will surrender it to me. Too late and to their sorrow do those who misplace their trust in gods learn their fate. It is again. Fran, I don't like the look of that. This mist, he holds a stone. It controls him as it did Mjern. No, no, the power of manufactured nethersite is the power of man. A weapon forged by his wisdom, who would challenge the gods themselves. A fitting blade for a true dynast king. Wraithwall did but pretend the title, a cur begging nethersite scraps from his master's table. Hark! Ivalice hails her true dynast king, Vayne Solidor. He shall defy the will of the gods and see the reins of history back in the hands of man. His time is nigh! The new Ivalice holds no place for the name Dalmasker. The stain of Wraithwall's blood shall be washed clean from history's weave. Bien fait de sauvegarder. D'accord, elle est beaucoup trop faible. Elle est beaucoup, beaucoup trop faible.
Ah, qu'est-ce que je fais? Ah là 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 là. Par contre, je me demande si je vais réussir le combat du coup. Attaque-le! Mais attaque-le! Mais attaque-le, putain! Mais tu es abruti par l'alcool! Mais attaque celui que... Non, putain! Sérieux! T'étais à côté! Je suis désolé, mais c'est le plus proche! Attends, je vais enlever le gambit parce que ça me saoule. Putain! Mais what? Déjà, j'ai dit de soigner les gens. En plus, il a fait vraiment beaucoup de dégâts, l'enfoiré. Ah, l'autre, il s'est pas endormi, fait chier. Et pourquoi? Non, mais là, là, j'en ai marre. Parce que moi, je suis d'accord. Moi, j'ai dit attaquer le A, pas attaquer le C. Pourquoi tout d'un coup il attaque le C? C'est chiant la fin. Voilà. Maintenant t'attaques le C. Par contre... Elle va se prendre bientôt de nouveau un coup du juge connard là. Voilà. D'accord, là pour l'instant avec les gambits ça va. Les gambits, ça a l'air d'aller, mais il faut quand même que je place 2-3 petits soins d'eux de temps en temps. Mais what? Mais... De non! Ben non, tu peux pas! Tu peux pas m'enlever 4 milliards d'HP comme ça, putain! Alors attaque! Ah putain, comme par hasard, il s'est retourné. Mais de où, putain? De où ils se soignent pas? Ça m'énerve, ils ont plein de PM. Il y a quand même des gambits en place.
enfin! Oh là là! He set his very bones about with manufactured nethersite. The Grand Kiltius? Wait, what about Larsa? Gone, spirited away by Judge Gabranth. You okay? So he was here. Ah, as for our young lordling, he went along. To avoid trouble, you see, but Judge Bergen had other ideas. He flew into a rage, and I was left to fend for myself. Please, Princess, you must permit me to take you back with me to Rosaria. So that you can protect me? I would lay down my life at a single word to be sure, but I harbor no maundering delusions of valiant grandeur. Vain has our war pavilion jumping at shadows. They favor a preemptive strike, but you will convince them otherwise. You will see that they do not start this war. This I cannot do. Forgive me, but my errand here is not yet done. I must wield the Sword of Kings, and with it bring an end to the Dusk Shard. This stone, do you even know what it is? I can venture a guess. The Draclaw Laboratory in Arcades. The Empire's weapons research begins and ends there. How soon do we leave? At once. As for matters in Rosaria, I bid you luck. So you would leave each to fend for his own. Let us hope that you are not disappointed. Ah, that's right. Larsa left a message. The differences between our two lands will fade before the shared dream of men. My leave, I take. J'aime bien le... How do you propose we reach Arcades? Arcades' borders will be well guarded for fear of Rosarian invasion. We dare not approach by air. And their navy will see that the coast is watched as well. No, we go afoot. We'll cross into Arcadia in the Salica Wood. We can reach the wood any number of ways, but the easiest is to head north from Nalbana. Oh, ça va être there long. Is a hunter's camp just beyond the Salica Wood. The camp sits within Arcadia's borders, so Imperial patrols there should be sparse. Getting that far should be half the fun. Let's be sure we go prepared. C'est long, c'est loin, c'est incroyable. La pierre du fondateur. Quoi? J'étais au temple de Miliam, j'étais partout. C'est pas ça, un projet. Ah, t'inquiète pas, il arrêtera bientôt de pleuvoir. Bon. En tout cas, c'était un combat où je m'attendais pas à devoir le faire. Bon, ça s'est plutôt bien passé en vrai. Donc ça va, je suis plutôt content. Alors, on va lui parler à elle aussi. Alors, vous avez là inversé.
J'avais inversé dans l'arbre du combat, mais c'est vrai que la porte. Et certaines techniques dépendent de l'arme que vous utilisez. Tournement, par exemple, peut atteindre les ennemis aériens si vous êtes équipé d'une épée. Il faut une arme à distance, d'accord. Très important de savoir s'adapter à chaque situation. Ouais. Un tel d'un pire pour prendre le sanctuaire. Tout à fait. Bon, par contre, j'ai pas parlé avec tout le monde là parce que ça me cassait les couilles. Ok. Donc, ici on a quoi? Ici on a prendre un chocobo. Marchand de cartes. Ah, dis-moi. T'as quelque chose pour moi? Franchement, allez, je vais te l'acheter juste pour l'avoir, histoire de l'avoir. Même si je pense que... j'ai allé partout, les gorges... Ouais, allez, hop, allez. Allez, c'est parti. À te l'acheter, même si je pense que... j'ai tout dans cette zone, au moins au cas où. On sait jamais. Alors. C'est un peu les élémentaires qui apparaissent. Ouais. Ok. Alors, voyons voir. Glaive de platine. Ah, mais ça j'ai. Ok, donc ça, c'est bon. Alors, moins 11, donc non. Alors. La hache à une main permis 4, personne ne peut la mettre. Mais, ça donne des plus de ouf dans, sur attaque. Donc, je vais aller voir qui de mes persos peut mettre des, porter une hache. Alors, le permis de Léon A. Ah. Forcément. Laissez une seconde. Alors, attends. Ah non, attends. C'est d'abord toi, et ensuite c'est comme ça. Voilà. Alors, toi, normalement, c'est tout ce qui est masse. Et tout ce qui est machin. Ok. Toi, on est sur des épées, des dagues et des armes à feu. Toi, on est sur l'arc et les bâtons. Ah, voilà. Là, on a l'hache. Là, on a les haches. C'est le permis 4 purpurine. Donc, c'est toi qui va équiper l'hache. Bon, bah, elle est trop forte. Hop. Ah, par contre, j'ai pas fait gaffe si c'était une ou deux mains. Ah, c'est une main en plus, putain. Hop, on l'achète. Ah merde, oh, j'aurais dû lui dire de l'équiper. Parce que du coup, je dois retourner dans l'équipement. Bâche. Équiper. Attends, si je vais optimiser, voilà. 81. C'est énorme. C'est juste énorme. Ok, donc bâche, il a une arme. Ça, c'est cool. Une nouvelle, en tout cas. Alors, voyons voir. Ici, évidemment, on est que sur des moins. Enfin, ça, c'est tous des trucs que j'ai. Gladius. Gladius, je l'ai. C'est une dague. Ok. Il faut un permis 4. Donc, le permis 4 avec balsier, je peux le prendre. Je crois que niveau ici, c'est un fusil, c'est à deux mains. Même si je... Bon, on verra plus tard. On a le Gladius. Sinon, les autres armes, je les ai à langue de feu. Ouais, on voit. Plus 5, je crois que le Gladius était plus. Permis nécessaire, marteau et hache. Attends, et l'autre, c'est juste hache ou c'est aussi marteau? Le truc de ouf, là. Ah non, ça, c'est juste hache. Ok. Et la formule, c'est... marteau et hache, ok. Plus 6. Je crois que le Gladius...
En fait, le défaut du Gladius, c'est que c'est élément R, donc sur tout ce qui est R, ben, je l'ai dans le cul, quoi. Mais c'est un plus 16. Donc, j'ai quand même acheté. Voilà. Ensuite, l'arc elfique, bon, c'est moins bien. L'arbalète. Alors, langue de feu. Alors, c'est trop faible. Katana plus 8. Pour elle. Je peux déjà le mettre. Ok, donc j'ai juste encore acheté ça. Et oui, on va l'équiper. Après, je vais réfléchir hein, avec le bâton, etc. Je vais voir, parce que j'ai pas fait gaffe combien de magie je perdais. Je suis allé trop vite. Ok. Ensuite. Là, on a énormément. Donc, on va viser déjà ceux qui sont avec moi. Ok, donc là, on a par exemple la coiffe de sorcier. Plus 8, plus 11 au niveau des défenses magiques. Veste. D'accord. J'ai pas beaucoup d'argent, donc ça va être compliqué de se décider. Donc, si je prends deux chapeaux de sorcier... Voilà. Enfin, coiffe de sorcier. Ici, deux aussi. Voilà. Et ensuite, le home osseux. Ah, c'est cher, hein, quand même. J'ai une petite vulnérabilité, mais bon, c'est pas trop grave. Ouais, je pourrais... Est-ce que j'ai... Bon, non, je vais en acheter que un. Voilà. Non, j'ai pas fini. En fait, tu vois, celui-là... Équipement léger, permis 5. Il donne plus 3. Et celui-là, plus 6. À Balsier, donc... Alors, est-ce que... En fait, le truc, c'est que je me dis que... Là, je joue avec 3 persos en ce moment, et quand j'entraînerai, peut-être que je serai à des endroits où j'aurai... des trucs plus intéressants, donc j'ai pas forcément acheté d'autres trucs. Juste contrôler si chez toi j'ai bien regardé partout et qu'il n'y a pas des magies. Ah voilà, je peux aller voir. Voilà, il y a toxine qu'on va acheter. Ok, c'est bon. Maintenant les permis. Si on a beaucoup de points. Maître d'Ast, lame rouge. C'est ça. Bonus de force, allez. Alors, donne accès à une... Pourquoi je peux pas la prendre? Ah, c'est que je l'ai déjà. Le truc, c'est qui active Mathéus? Un seul personnage peut acquérir cette case. Ah d'accord, donc lui il est actif partout, mais voilà quoi. Ok, donc c'est ok. En fait, je vais augmenter ses stats. Je crois que là, je vais pas partir sur sur de l'équipement parce que ça a l'air ok. Je vais partir sur toutes les stats qui coûtent 30 ou moins.
Elle va diminuer les coûts en PM. Bonus magique, c'est un mage rouge, un mage lame rouge. Magie. Encore un 30. Là, il y a un 20 ici que je vais apprendre. Alors, redonne plus... Ok, ouais, bon, allez. Ça, c'est fait. Bonus de force. Est-ce qu'il y a d'autres... deux petits trucs comme ça. Non, on va voir ici, là. Un petit 20. C'est quoi? Vortex. Que de Phoenix. Ouais, ça peut être intéressant, même s'il a... Alors, est-ce que j'ai un truc qui coûte 20 encore, quelque part? Un truc qui coûte 25. Un Gambit en plus, allez hop. Voilà. Barbe de dragon. Ok. Balsier, le machiniste. Allez. Attends. Celui-là, en ce moment, je joue avec des dagues. Et des boucliers. Donc, on va apprendre spécialisation du bouclier, par exemple. Qui peut être utile, augmenter les chances de parer. Encore une petite spec. Voilà. Là, récupérer des PM. C'est quoi ça? Ah, plus de PV. Sabre de ninja. Ah, d'accord. Ah, je peux aussi avoir les sabres de ninja. Et pas seulement les dagues basiques. Ok, d'accord. Voilà. Moi, à mon avis, il n'y a que... la petite meuf, là, la Aish qui peut... Voilà, là, on a un bonus magique. Renforce un personnage, même ça. On a des bonus magiques partout, c'est incroyable. Crat de marée. Truc à 20, non? Nulle part. Ok. Augmente grandement la puissance des attaques à main nue, ouais, mais vu qu'on se bat pas à main nue. Alors. Tout ça, ça c'est bien en vrai. Hein. Potion plus de PV. Voir est-ce que j'ai quelque chose qui augmente mes stats quelque part. Plus d'HP. Et encore plus d'HP. Ok, ravageur. Ils ont pas tous les mêmes. Hein. Enfin, c'est dit juste un personnage, mais. Oh, plus d'attaque, ça c'est bon ça. C'est quoi? Ah, des boucliers magiques. Ça c'est intéressant. Ça c'est bien. Ah non, j'ai pas fini. Est-ce que je peux augmenter plénitude? Plus de force. Plus de PV. Plus de PV. Ah, ça je l'ai déjà vu en plus. Je crois que bientôt j'ai commencé à juste apprendre, tu sais, les petits
tout ce qui coûte pas grand chose, c'est là, par exemple, Gambit 20, allez hop. Gambit 25, allez hop. Un truc 30. Choc ténébreux. Tu vois, il faut vraiment que je fasse gaffe, parce que là, il me coûte seulement 50, et là, 75. Donc, il faut vraiment que je fasse ultra gaffe, quoi. Allez, on va prendre ça. Tu vois, étoile du Nord, ouais, je vais vraiment faire gaffe. Pas que j'ai une étoile du Nord, quelque part, voilà. Bim. Alors, je veux que tu deviennes plus forte. Ah oui, les remèdes qui guérissent huile, ça, c'est bien. Faire plus de PM, pourquoi ça peut être intéressant. Ah, ça, c'est bien, ça. 10% et ensuite de moitié. Ah, plus d'HP, ça peut être intéressant. Ah, vitesse d'action, ça c'est bien. Vitesse d'action, c'est très important. Allez, on va prendre deux trucs à 20. De toute façon, il va falloir vraiment le remplir. Pénélo, voyons voir. Elle donne des coups aussi, hein. Ah, ça, c'est bien, ça. Et voilà le travail. Par contre, c'est vrai, niveau chronomancien, on n'a pas appris grand-chose. Je crois que j'ai terminé, hein, ouais. Ok. On s'est occupé de nos permis. C'est nice. Petite sauvegarde et on repart à la chasse. Alors ça me fait penser. Direction Nalbina puis Col. Du Mosphore et la forêt de Salika. Alors, Nalbina. On va tuer ça. On va regarder la carte du monde. Alors, j'ai fait très peu de... Ouais, j'ai rien dit. Alors, carte du monde, s'il vous plaît. Alors, direction Nalbina. Ah oui, d'accord, ok. Oh, ah ouais, mais je dois faire tout ça? Je dois aller jusque là-bas? Ah bah oui, parce que moi je voyais que c'était super long. Mais en fait, je connais tout ça. Je suis déjà allé jusque là, en fait. Je pourrais me téléporter à Rabanastre, en fait. On va faire ça. Hein. On va prendre une pierre de téléportation pour la première fois depuis qu'on joue au jeu. On a 6 pierres. Ah, par contre, j'ai pas fait gaffe. Si, c'est Nalbina. Mais tu vois, t'as le village des rues, j'ai l'impression qu'il est... Allez. Rabana, c'est une valeur sûre. Bim! Voilà. Bon, maintenant on est là. Tu vois, je sais pas où il est. Ah bah non, tu vois, le village de Ruth, il en va. Voilà. Donc, on va passer par le désert est. Et on va rejoindre Nalbina de là. C'est nickel. Ouais, bon, alors on va aussi aller vraiment... vers le désert est.
Ouais, vite fait. Voilà, et... Ah, j'ai pas la carte ici, donc c'est chiant. D'accord, ok. Donc j'ai vraiment pas la carte, c'est très très chiant. Donc je suppose que tout ce qui se trouve ici... C'est du one shot. Il a quand même 6000, hein. Ah, il donne des petites patates, hein. Hey, il y a des monstres qui sont pas mal du tout ici. Ils font 0 dégâts. Je reçois 3 XP. C'est trop marrant. Ah, un petit village. En fait, j'aurais pu très bien prendre les plaines de Giza. Enfin, il y a juste un truc que je comprends pas. D'accord, le désert... Donc, bah non, tu vois, les plaines de Giza, c'est en bas. Ah non, mais je suis con, en fait. Je suis toujours dans le désert et c'est juste que par là, je peux aller aux plaines. Oui, parce que lire des cartes, c'est pas mon fort, hein. Vraiment pas ça. Faudrait que je m'achète une carte du désert est, en fait. En fait, ce qui m'étonne, c'est que des fois, je fais 2000 de dégâts. Et des fois, je fais 100. Parce que là, j'ai fait 2000. Là, 1003. C'est quoi le délire? C'est marrant de tout one-shot, hein. Passage de bain. Non, en fait, moi, je dois avoir un truc qui dit Nalbina, en fait. Voilà. D'accord, moi, je vais vraiment... dans des contrées complètement inconnues. C'est par là. Ah tiens, attends. ...61, hein, ça commence à monter au niveau en XP, hein. Un truc rouge ici. Non, non, c'était juste pour pouvoir me téléporter. Désolé, le bac n'est pas là pour le moment. Mon père est reparti avec la reine.
Ah. D'accord. Donc je suis obligé de passer par le passage Berrien. Parce qu'apparemment ici, ben, le bateau il peut pas y arriver. Ben, je pense que c'est par là que j'aurais dû aller. Je crois que j'avais vu un truc avec le passage de... Tu vois là. Là en bas. Mais tu vois ici je peux pas aller parce que ben, le bateau n'est pas là. Ah quoique, là il y a quelque chose. Faudrait la clé de Berrien pour l'ouvrir. Intéressant. Bon, bah on va aller définitivement à ce passage, hein, parce que... On dirait que j'ai vraiment pas le choix. Je sais pas pour vous, mais moi ça me stresse de voir que je fais entre 600 et 3000 et 2000 de dégâts par coup. Qu'est-ce qui explique que des fois je fais tellement peu et tellement beaucoup C'est un peu étrange. Ok. Ah, j'y crois pas. D'accord. Donc, je peux pas passer de l'autre côté parce que c'est le boss qui a la clé et qu'il est à l'intérieur. Et là-bas, il y a pas le bateau. Enfin, ici, on est d'accord qu'il n'y a rien. On va retourner au village. Je dirais sur la ville nord, je suis sûr. D'accord, ok. Bon.
On va retourner à Rabat et on va passer par les égouts pour voir si on arrive à entrer dans le passage de Bahreïn par là. Par contre, j'ai pas utilisé une pierre de téléportation pour retourner à Rabanast, donc on va y aller à pied. Ah, je me suis attaqué. Ah, j'ai fait seulement 100 de dégâts. Alors, je pense pas que c'est ici que je vais faire un level up. Hein. Par contre, pour les PP, c'est... J'ai fait 58 de dégâts. Pour les PP, c'est juste génial. Ça reçoit tout autant que sur d'autres mobs, sauf que c'est du one shot. Je trouve ça un peu étrange, perso. Alors, juste regarder. Passer par là. Il y a beaucoup de mobs sur le chemin. C'est pratique. Franchement, pour les PP, c'est pratique. Je sais pas si je me répète à mort, mais c'est cool. Et heureusement qu'on a le petit L1 pour nous mettre bien, pour courir vite, hein, et pour accélérer le truc, sinon ça serait long de ouf. Ah bah non, il n'y a rien. Ok, donc on doit passer par les égouts. Bon, alors d'abord on va en basse ville, je suppose, hein, parce que les égouts, la basse ville, je pense que ça se... Hein. C'est à ma droite ou à ma gauche? Voilà, voilà. Et les égouts, c'est tout en haut. Ah voilà. Quoi? Ah ouais, mais non. Bon, là par contre... Ah, là on peut aller. Peut-être que lui il a la clé pour aller dans les égouts.
D'accord, ok. Non, lui, il dit juste... Il dit juste par où je dois passer. En fait, mon problème, c'est que pour aller ici, je dois passer ou par le passage de machin, ou je dois passer par là. Le problème, c'est que les égouts, c'est fermé. Là, c'est fermé. Là, je peux pas aller parce qu'il manque un truc. Donc, quand tu lui dis pas, là, il dit alors, tu vas avoir cette fois à pied en plus. Commencer par traverser le Momosphore. C'est le cas. Ouais, bah, tu dis que des trucs qui viennent après, mais. Moi, je sais pas comment. Comment passer de l'autre côté, c'est chiant. Il va falloir réfléchir à ça. Comment, comment passer. On va remonter à Rabanas, du coup. Alors, on va remonter par là. Allez, faire notre petite sauvegarde. Et on va essayer de trouver une solution. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!